Salut à tout le monde. Une petite capsule pour faire une mise au point à propos du site L'Alcyone. Alors, allons dans le vif du sujet et je vous expliquerai ensuite les retards, les problèmes techniques que j'ai rencontrés, etc. Alors, c'est quoi cette mise au point? Alors, vous vous souvenez, il y a un petit moment de cela, il y avait un bandeau qui indiquait qu'une interview serait faite avec Cobra. Ensuite, vous aviez un lien qui vous permettait d'envoyer des questions. Alors, sachez que toutes les questions que vous nous avez envoyées ont été traduites en anglais et réexpédiées à l'adresse mail Cobra Résistance. Comment ça s'est passé au début? Au début, j'ai écrit à Cobra et je lui ai proposé cette interview. Et il m'a répondu, vous pouvez poursuivre, ce qui a fait qu'on s'est mis à la tâche. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand silence radio, ce qui signifie que nous n'avons jamais eu le feu vert. Alors, chaque chose a ses raisons. Imaginez, c'est la résistance, le pourquoi du comment je ne le connais pas. La résistance a beaucoup de prérogatives qui lui sont propres. Ça peut être la sécurité, etc. On ne va pas entrer dans les détails. Je ne les connais pas, même pas moi-même. Mais toujours est-il que lorsque l'on ne vous donne pas le feu vert, eh bien, c'est ainsi, vous restez à votre place. Pourquoi je n'ai pas fait d'annonce avant? Eh bien, parce que, par souci de discrétion, n'ayant pas de retour, je préférais rester à ma place. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui suivent un peu le site, eh bien, ils ont vu que j'ai fait une interview avec un écrivain, un auteur, qui parle évidemment des mêmes sujets. Et du coup, ça m'était très mal à l'aise, c'est très inconfortable. Ça faisait longtemps que par éthique, etc., je vous devais cette information, de savoir pourquoi. Parce que lorsque l'on vous dit qu'il va y avoir une interview et que rien ne se passe, vous pouvez vous dire, mais enfin, c'est surréaliste. Il n'y a pas d'informations, on ne nous dit pas le pourquoi du comment, etc. Donc, c'était une situation vraiment qui m'est mal à l'aise. Et lorsque il m'a proposé cette interview, je voulais déjà, à ce moment-là, faire une capsule pour mettre les choses au clair. Cet auteur m'a dit, moi je préfère pas qu'on mélange. Ensuite, j'ai eu des tas de problèmes techniques, car je suis seule sur le site, désormais. La personne qui traduisait, de toute façon, ne s'occupait pas de la technique, donc je suis vraiment seule. Quelquefois, c'est un cauchemar. Et tout ça a fait qu'il y a eu du retard sur du retard. Sachez aussi que la capsule que je suis en train de faire aujourd'hui, j'en ai fait part à Cobra. Il le sait. Je lui dis, je vais mettre les choses au clair. Alors, pourquoi on met les choses au clair? Je vous dis déjà, de 1, lorsque vous faites une interview et antérieurement, vous en aviez une qui était prévue et qu'elle n'a jamais abouti, et qu'ensuite, vous passez à une autre personne, c'est pas possible. Ensuite, il se passe beaucoup de choses en ce moment et évidemment, on ne peut plus rester les bras ballants. Donc, il est prévu une série de capsules, les unes derrière les autres, qui vont parler de tas de sujets. Il y en aura avec, entre autres, cet auteur et d'autres où je les ferai seul.
J'ai d'ailleurs vu que Cobra reprenait du service dans le dernier poste qui est là, hein, qui est d'aujourd'hui. Et ça ne m'étonne pas parce que dans cette période d'agitation qui est en ce moment, les informations, je pense, vont fuser. Donc, je m'excuse platement pour le silence qui a régné à propos de cette interview, mais comme je le répète, nous n'avons jamais eu le feu vert. Et je laisse Cobra, si il doit vous expliquer, que ce soit lui et lui seul qui un jour vous donne les raisons de cette impossibilité à cette interview. Bien, avant de clôturer définitivement ce sujet, je voudrais revenir à ce que j'ai dit il y a un instant sur que Cobra reprenait du service. Alors entendons-nous bien, je suppose des interviews. Il y a des questions qui ont été à nouveau proposées. Et dans le contexte actuel, ça n'aurait rien d'anormal. Je ne parlais pas, bien entendu, des postes qui nous sont envoyés toute l'année et qui nous donnent beaucoup d'informations. Et n'oublions pas qu'en ce moment, tout ce que nous vivons survient parce que nous sommes en plein événement. Alors maintenant que nous avons traité ce sujet, et en espérant que tous les lecteurs seront enfin satisfaits après des questionnements restés en attente, je voudrais aborder la genèse du site. Pour tout vous expliquer, il y a à peu près 10 ans, je parlais régulièrement d'Alcyone, je parle de l'étoile. Et à l'époque, je ne rencontrais pas beaucoup je dirais, de succès ni de réceptivité. C'était pas tendance, c'était pas encore le moment. Et puis un jour, j'ai découvert les vidéos d'Alcyone Pléiade. Et là, je suis restée estomaquée quant à la qualité du montage et de l'information. Et lorsque j'ai découvert le contenu de ces vidéos, je me suis dit, c'est un intérêt capital. Rien ne me prédisposait à construire un site. C'était pas du tout dans mes idées. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, il faut absolument aider. Il y a eu deux raisons aussi qui ont influencé le fait de construire un site. C'est que je découvrais qu'il y avait des lanceurs d'alerte qui nous envoyaient beaucoup d'informations, mais elles étaient toujours en langue anglaise. Des choses étaient traduites, mais très peu. Donc c'était très frustrant. Quelqu'un se trouvait à côté de moi qui pouvait faire de la traduction. Et c'est là que le site a commencé à naître. Je vous épargnerai tous les obstacles qui ont dû être franchis avant d'aboutir à ce site, parce qu'évidemment, il fallait un budget, il faut un webmaster, le serveur, etc. Mais nous y sommes arrivés. Aussi, cette parenthèse pour dire que même avec de grosses difficultés, avec très peu de moyens, on arrive toujours à faire quelque chose et à aider. Voilà pourquoi je voulais faire une petite aparté et expliquer comment avait été créé le site avec toutes ces difficultés, tous ces obstacles, et de comprendre que malgré tout, l'aide et le service est toujours possible. Et dans les moments où nous vivons en ce moment de grands tumultes, parce que ça représente, pour ceux qui savent un petit peu et qui connaissent l'information, en fait, l'événement, il y aura besoin de beaucoup. Beaucoup de services, ce sera comme un mode de pensée, une nouvelle façon d'être. Je vous concède que le site n'a pas toujours été au mieux, mais ça vient du fait qu'il n'y a pas de budget et il n'y a pas de maintenance, etc. Il y a eu quelquefois des petites mises à jour qui ont détraqué tout et je n'ai pas pu remettre tout en ordre. Au niveau budget, je n'oublie pas qu'une personne nous a fait 2 dons et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Même si c'est en retard, ça n'enlève pas la sincérité dans le remerciement que nous devons à cette personne. Je voudrais aussi adresser, vu le travail qui nous attend devant nous, un appel à tous ceux qui voudraient donner un coup de main au site L'Alcyone. Ils seront les bienvenus.
Alors avant de conclure cette première vidéo, je voudrais remercier tous les lecteurs présents et futurs du site. Je vous encourage tous aussi à aller visionner les vidéos d'Alcyone Pléiade, alors pas forcément sur notre site, hein, sur tous les sites qui le relaient, parce que ce sont des outils incontournables. Vous y trouverez toutes les informations et les outils utiles pour vous aider dans la période actuelle. Le dernier d'ailleurs vient de sortir et il parle du corona. Je vous rappelle aussi la méditation, l'appel à la méditation du 4 et 5 avril qui sera d'une grande importance. Je vous salue et je vous dis à très vite. Science opened up the door. We would feed the hungry feet till they couldn't eat no more. But the poisons that we made touched the creatures down below.